Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage sentimental pour les Verseaux, puisque vous étiez les derniers pour ce mois de septembre 2020. Allez, je commence par vous, mes amis Verseaux, puisque vous étiez les, bien sûr, les derniers. Allez, on y va, tirage à 15 cartes, comme d'habitude, pour les signes, avec, et comme toujours, le jeu 32. Donc là, je fais uniquement le jeu de 32. Je verrai si j'apporte plus de précisions avec Monsieur l'Oracle des Miroirs et Monsieur le Béline, s'il y a vraiment besoin. Si le tirage est vraiment magnifique, pas d'utilité, vous avez compris, vous savez comment je fonctionne. Carte positive, je ne recouvre pas. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Alors là, pour vous, mes amis Verseaux, j'ai des cartes qui sont tomber et retourner. J'ai la dame de pique, j'ai le 10 de carreau, j'ai le 9 de cœur et j'ai le valet de trèfle. Alors déjà pour ce tirage sentimental, on a bien un homme, alors soit un homme. Alors bien sûr, mesdames, enfin messieurs, vous inversez, vous mettez la femme à la place. J'ai ce valet de trèfle, ce 9 de cœur, ce 10 de carreau, cette dame de pique. Donc là, ça nous parle d'un homme plus jeune que vous, en âge bien sûr, hein, ou ce côté, s'il n'est pas plus jeune que vous, c'est un homme qui a un peu ce côté immature. Quelqu'un d'élégant, charmant ou élégante, charmante, bien habillé, bien coiffé, quelqu'un propre sur lui, qui aime, enfin quand je dis propre sur lui, ça veut dire qu'il prend soin de lui, hein, bien évidemment. On a ce 9 de cœur, donc il y a vraiment de la joie avec cet homme ou cette femme. Ça nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement, d'un grand déplacement. Donc peut-être pour vous, mes amis célibataires, vous allez faire la rencontre d'un homme qui est loin de vous, dans une autre région. J'ai pas le roi de carreau, mais le 10 de carreau. Donc il y a quand même peut-être une certaine distance entre vous. Et on a cette dame de pique. Donc peut-être que justement, soit c'est un homme ou une femme qui est en rapport très proche avec sa maman, très proche avec une grand-mère, quelqu'un de plus âgé que lui. Mais en tous les cas, vous allez avoir niveau relationnel avec cet homme-là ou cette femme-là, il y a du bon, il y a du positif. Mais peut-être que cet homme-là va, ou cette femme-là va vous annoncer qu'elle doit se déplacer pour aller voir sa maman ou sa grand-mère, en tous les cas, quelqu'un proche de lui, mais surtout une personne plus âgée que lui. Mais ça peut être aussi la dame de pique, il faut le rappeler, bien sûr, mesdames, à partir d'un certain âge, vous pouvez être cette dame de pique à partir de la cinquantaine, d'accord? Donc là, ça voudrait dire dans ces quatre cartes que vous allez faire, mes amis, mesdames célibataires, vous allez faire une rencontre, ou messieurs, hein, célibataires, vous allez faire une rencontre avec un homme ou une femme plus jeune que vous ou un peu plus immature dans ce côté homme ou femme-enfant. D'accord? Là, c'est que du bon. Hein. Là, franchement, ça commence plutôt pas bien, mes amis Verseau. Allez, on y va, on procède à la coupe. Waouh, génial. 10 de cœur et 10 de carreau. Donc là, ça nous parle bien de projets. Il y a bien dans le domaine sentimental, mes amis Verseaux, des choses qui vont bouger. Peut-être un futur déménagement, peut-être construire, vivre ensemble avec la personne que vous allez rencontrer ou avec la personne avec qui vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes depuis un petit bout de temps. Là, en tous les cas, il y a un projet peut-être de déménagement, projet de vie ensemble. Il y a des projets à deux là, hein, d'accord? Peut-être un futur week-end, un grand week-end, futures vacances. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez de la chance, hein, mes amis Verseaux. Hein. Parce que hier, c'était pareil hein, pour votre tirage général pour le mois de septembre. Maintenant, il faut que ça bouge. Allez, on y va. Hop, tirage. Je vais faire à 15 cartes. Est-ce que je fais... ouais, je vais plutôt faire le... Je vais vous faire comme je faisais d'habitude. On va faire ça. Donc, on va faire ces trois-là en premier. Je vais les mettre au milieu. Je vous fais le vrai tirage. Ce que je préfère. Donc là, hop, hop. Celle-là, c'est celle-là. Que je ne me trompe pas. Là, on va repiocher. Je vous fais le vrai tirage quand même. Pour pas que je vous embrouille. Après, je les replace, vous inquiétez pas. Vous savez comme je suis tatasse. Avec mes cartes. Mais je les kiffe, hein, mes cartes. Je les adore. Alors, on a l'as de cœur. Hein. L'as de cœur, c'est le foyer, la maison, le couple, enfin la vie ensemble. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Là, vous les voyez, là, quand même. Si je fais ça comme ça. Ouais, bingo, c'est bien, Oléana. De mieux en mieux, Oléana. Et je mets ça ici.
D'accord? Alors, tirage à 15 cartes. Hein. Donc là, c'est la situation actuelle pour vous, hein, d'accord? Mais comme je le fais pour le mois, hein, pour vous, pour ce mois de sentimental 2020, septembre 2020. Donc là, on commence ici, hein, c'est les choses principales. Mais en dodec, on a l'as de cœur. Waouh, on a vous, mesdames ou vous, messieurs, vous inversez. On nous parle d'étrangers, hein, donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Soit vous allez rencontrer ou vous avez rencontré ou vous êtes avec un homme ou une femme qui a des origines étrangères ou qui vit carrément dans une autre région ou un autre pays. C'est une personne qui n'a pas pour l'instant de problème d'argent. Financièrement, ça va super bien. Avec certitude, donc c'est confirmé. Et là, nous avons une dame de cœur. Peut-être que cet homme ou cette femme-là a une fille qui doit peut-être éventuellement signer. Soit que c'est un homme ou une femme qui travaille avec à une entreprise familiale, puisque là, j'ai la fille. Bon, ça peut aussi nous parler de votre fille, hein, pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, qui va signer un contrat. Donc là, ça serait plutôt une autre histoire. Donc, ouais, parce qu'on me l'a posé la question, Olé, concernant mais je vous ferai un truc pour le dos de deck, hein, d'accord? Je vous ferai une vidéo sur le dos de deck et comment on coupe une histoire, d'accord? Pour repasser à une autre, ok? Mais ça, on reverra plus tard. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, hein, pour vous, mesdames Verseau, ou pour vous, messieurs Verseau, qui est en rapport avec l'étranger. Donc, soit un homme ou une femme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui est carrément dans une autre région, d'accord? Parce qu'on avait quand même le voyage tout à l'heure, hein, le 10 de carreau. Allez, on y va, on commence. Waouh! Waouh, il y a des petites engueulades, il y a de la colère. Mais la bonne nouvelle, mes amis Verseau, hommes ou femmes Verseau, colère, roi de cœur, 7 de trèfle. Donc là, il y a quelque chose de qui va, comme si les Verseau, vous allez taper du pied, il y a quelque chose qui vous agace. Et comme du style, pourquoi il m'appelle pas, pourquoi il m'écrit plus, patati patata. Donc là, on a de la colère. Concernant un homme ou une femme, vous inversez, messieurs, qui vous aime, donc ne vous tracassez pas, mesdames Verseau, messieurs Verseau, la personne vous aime. Sauf que là, vous attendez de ses nouvelles. Elle va vous recontacter, ne vous tracassez pas. Ok, donc là, il y a des petites colères. Pour moi, c'est une petite colère, puisque le cœur est juste derrière, le roi de cœur est juste derrière, donc ça atténue. Mais là, c'est juste un énervement que vous avez et vous allez avoir de ces nouvelles. Ok, donc c'est pas méchant. Waouh, on a, vous voyez quand même, oui. Vous avez le 9 de cœur, le 10 de carreau, le valet de cœur. Donc là, il y a quand même quelque chose de positif dans ce domaine sentimental pour vous, mes amis Verseau. Nous avons de la joie concernant cet homme, concernant aussi, vous allez devoir vous déplacer et peut-être que justement, soit mesdames Verseau ou messieurs Verseau, vous allez peut-être déménager, hein. Il y a peut-être un projet de déménagement pour aller vivre avec cet homme ou cette femme-là, mais vous ne partirez pas seul. Alors, je m'explique. Ça veut dire, mes amis Verseau, pourquoi vous ne partirez pas seul? Soit que vous êtes obligé, il y a peut-être... J'ai pas de souci, on va regarder juste les cartes derrière. Pour l'instant, là, ça voudrait dire que vous devez prendre vos enfants. Alors là, j'ai le valet de cœur, donc c'est soit un fils, un meilleur ami ou un frère, avec vous. Donc ça serait plutôt les enfants. Donc il y a un choix à faire pour vous, mes amis Verseau, hommes ou femmes, suite par rapport à un enfant. Il y a une situation de blocage. Soit la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer habite loin, soit qu'il y a de la colère aussi éventuellement de cet homme parce qu'il vous demande d'aller le rejoindre ou d'aller la rejoindre, mais le hic, c'est que vous êtes un petit peu bloqué concernant cette demande, concernant, je baille, hein, vous inquiétez pas, concernant ce valet de cœur, donc peut-être quelqu'un de proche de vous. On va regarder ce que ça donne. Il y a l'argent dans les 24 heures, 48 heures. Ben là, j'ai pas de problème en fait, hein. J'ai pas de problème négatif, j'ai pas de carte négative, j'ai de la joie sur de l'argent, enfin... Il y a concernant le travail, honnêtement, là, mes amis Verseau, il y a une belle rencontre. Il y a peut-être, là, j'ai pas la carte de réconciliation, mais là, il y a vraiment un homme ou une femme qui est présente ou qui va le devenir, hein, pour vous, mes amis, ou même celles et ceux qui sont en triangulaire ou le retour de l'ex, parce que je parle pour tous les Verseau. Mais là, je n'ai pas, honnêtement, vous avez un excellent jeu, je n'ai pas de carte négative en soi. La seule chose négative, c'est que soit cet homme-là ou cette femme-là vous a fait une proposition de venir habiter chez elle, de changer de région, même de travailler avec lui, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous met en rogne, pas nécessairement négatif, c'est que soit c'est par rapport à votre travail parce que vous ne pouvez pas être muté, soit que c'est par rapport parce que vous avez un enfant ou plusieurs enfants qui sont scolarisés, vous avez peur. Mais là, il y aurait, vous pouvez foncer, hein, il n'y a aucun souci, on va regarder derrière. Vous avez un magnifique tirage. Je continue parce que là, c'est trop beau. Ouais, magnifique. Bon, alors là, mes amis Verseau, c'est what again, what again, what again. Franchement, vous avez un homme qui a du caractère. Hein. Pour moi, c'est le même.
Pour d'autres amis Verseau, peut-être que vous êtes, pour celles et ceux, pardon, qui sont triangulaires, peut-être que vous allez devoir divorcer. C'est peut-être ça, cette situation de colère avec cet homme ou cette femme-là, parce que vous êtes déjà avec quelqu'un. Parce que là, j'ai la justice, j'ai le procès, mais on vous annonce sur du retard. Donc, il y a quelque chose, mes amis Verseau, pour celles et ceux qui sont célibataires, c'est bon. Il y a bel et bien une rencontre, mais pour moi, il y aura un souci juste par rapport à quelque chose qui vous tracasse parce que la personne vous réclame. Il y a pour moi quand même de la distance, mais il y a une histoire soit d'enfant ou de travail qu'il va falloir choisir. Enfin, mettre en place pour aller rejoindre cette personne-là. En tous les cas, on vous dit que cette personne-là vous aime, a des projets d'amour. Peut-être que cet homme ou cette femme-là a déjà une fille, a des enfants. Et en tous les cas, il y a vraiment un début d'une relation, d'une très très belle histoire d'amour, là pour vous, mes amis Verseau. Et je confirme, il y a le 7 de cœur, il y a la réconciliation pour certains et certaines. Il y a le retour de l'ex. Donc là, honnêtement, vous avez un magnifique tirage, mes amis Verseau, pour tout le monde. Que ce soit les célibataires, celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour celles et ceux qui sont en couple, pour celles et ceux qui veulent divorcer, mes amis Verseau, on a cette procédure, mais je n'ai aucune carte, vous n'avez aucune carte négative, aucune. Je n'ai aucune carte négative, sauf la colère que je vais recouvrir, c'est tout. D'accord ? Là, franchement, c'est magnifique. Ouais, génial. Alors, on m'a demandé si je faisais les associations de cartes. Dans ces tirages-là, normalement, on ne les fait pas. Mais si vous voulez que je le fasse, je vais le faire parce que je pense que je vais avoir pour les commentaires. Mais là, honnêtement, c'est un magnifique jeu. On a quoi ? J'ai 1, 2, 3, j'ai 3, 10. Les 3, 10, vous savez, c'est la joie sur un projet. Donc, peut-être le projet de départ, hein, le déménagement. Après, je vais recouvrir le 7 de carreaux, hein, vous inquiétez pas. Mais honnêtement, c'est tout bénef pour vous. Donc, c'est la satisfaction. 4, 10, 3, 10, c'est la satisfaction. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai 1, je crois que j'ai 3, 9, 2, 3, j'ai 3, 9, bingo. Donc, les 3, 9, c'est aussi une très, très belle signification. C'est petite réussite, profit. Et 4, 9, 3, 9, c'est l'argent. Donc, il n'y a aucun souci que vous manquez d'argent, mes amis Verseau, si vous prenez la décision. Ensuite, on a quoi ? On a, j'ai 1, 2, je crois que j'ai 3, 7. Alors, 3, 7, on nous annonce des douleurs peut-être parce que vous allez devoir justement faire un choix par rapport à cet homme ou cette femme-là, que vous peut-être qu'elle vous va vous proposer des choses, de vivre avec elle, mais ça va vous perturber. Mais on vous dit 3, 7, 4, 7, c'est des bonnes nouvelles, donc c'est pas contraignant. J'ai quoi ? J'ai 3 rois, génial. 3 rois, c'est le succès, donc là, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et 4, 3, 3 rois, c'est porteur de bons conseils, ok ? J'ai que un valet et j'ai que un 8. Ok. On va recouvrir. Donc, je recouvre que le 7 de carreau qui n'est pas nécessairement négatif dans votre jeu. Colère avec... Voilà. Alors, ça confirme. On avait le valet trèfle hein, tout à l'heure, mes amis Verseau. Donc, c'est vraiment... c'est avec cet homme, hein, voyez. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme a ce côté un peu immature. Peut-être que cet homme ou cette femme est plus jeune que vous. Mais en tous les cas, elle vous aime et il y a de la colère. C'est bien elle qui est en colère. Hein. Elle vous attend. Ou il vous attend. Donc, vous avez intérêt de bouger vos fesses, mes amis Verseau. D'accord ? Parce que sinon... Ça ne va pas le faire. Est-ce que... Alors, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai quoi ? 13 minutes ? Je ne fais pas plus loin avec l'oracle des miroirs et le jeu Béline. Pourquoi ? Parce que vous avez un excellent jeu magnifique pour votre domaine sentimental. Donc, mes amis Verseau, on se retrouve ben, le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un excellent week-end et je vous dis au mois prochain, au mois d'octobre 2020. Ciao, ciao, bye bye.